independence that we want. I have a dream. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Égypte est un État souverain, mais le canal de Suez, artère stratégique et économique vitale, reste encore sous le contrôle des Britanniques. La défaite des armées égyptiennes lors de la guerre israélo-arabe de 1948 porte atteinte à l'autorité du roi Farouk. En 1952, un coup d'État militaire conduit le général Naguib et le colonel Nasser au pouvoir. Naguib, rapidement évincé, Nasser prend le contrôle du pays et rêve de restaurer sa grandeur. Pour autant, l'Égypte demeure encore peu développée. Pour moderniser son pays et développer agriculture et industrie, l'Égypte a besoin d'agrandir le barrage d'Assouan. Nasser demande alors des capitaux aux grandes puissances occidentales afin de financer le projet du haut barrage d'Assouan. Le 26 juillet 1956, face au changement incompréhensif de position des États-Unis, Nasser décide de nationaliser le canal de Suez dans l'espoir de récupérer ainsi une partie des capitaux nécessaires à son projet. Immédiatement, Israël mobilise ses troupes et avec la France et la Grande-Bretagne, envisage une opération militaire commune pour rétablir la libre circulation sur le canal. Toutes les tentatives diplomatiques pour régler pacifiquement le conflit ayant échoué, Israël lance une attaque contre les forces armées égyptiennes dans le Sinaï le 29 octobre 1956. Utilisant ce prétexte, les forces armées franco-anglaises passent à leur tour à l'offensive dans la région du canal à Port Saïd le 31 octobre. Devant les succès occidentaux et craignant de perdre leurs intérêts égyptiens, l'URSS envoie un ultimatum exigeant l'arrêt des combats et le repli des armées sur les frontières d'origine. Un bras de fer s'engage entre les États-Unis et l'URSS et pour éviter une éventuelle confrontation, les États-Unis font pression sur la France et la Grande-Bretagne. L'ONU prévoit de plus, et pour la première fois de son histoire, d'envoyer sur place des forces d'interposition. La France et la Grande-Bretagne vont peu à peu se désengager et accepter le retrait des troupes. Israël suivra partiellement peu après. Nasser est vaincu militairement, mais sort auréolé d'un énorme prestige en tant que grand vainqueur politique du conflit. L'équilibre des forces mondiales se trouve ainsi modifié. Plus aucune intervention militaire ne pourra se faire sans le consentement des deux grandes puissances. Le monde se divise désormais plus que jamais en deux blocs, l'Est et l'Ouest. Mais pour bien comprendre ce qui s'est passé, revivons étape par étape tous ces événements. L'Égypte est un vaste pays au carrefour de l'Afrique et du Proche-Orient. Passée sous protectorat anglais en 1914, elle ne retrouvera son indépendance qu'en 1922. Fouad Ier en devient alors son roi. Son fils Farouk lui succédera à sa mort en 1936 jusqu'en 1952. La Grande-Bretagne conserve cependant certaines prérogatives comme la protection des étrangers, des minorités, des intérêts du Soudan et surtout la sécurité du canal de Suez. Le 14 mai 1948, la fin du mandat confié par la SDN à la Grande-Bretagne sur la Palestine et le départ des derniers soldats anglais entraînent la fondation de l'État d'Israël par le Congrès national juif, conformément à la résolution 181 de l'ONU du 29 novembre 1947. Immédiatement, l'Égypte, l'Arabie, la Jordanie, la Syrie et l'Irak déclarent la guerre au jeune État hébreu. Après avoir frôlé la catastrophe dans les premières semaines de combat, Israël reprend l'offensive et annexe au début de 1949 plusieurs territoires qui formeront bientôt l'État israélien moderne. Cette défaite des armées arabes entraîne en Égypte un vaste mouvement de mécontentement populaire. Les inégalités sociales, la pauvreté chronique et la corruption à tous les niveaux de l'État accroissent d'autant les tensions dans le pays. Ce contexte est favorable au coup d'État perpétré par un groupe d'officiers supérieurs égyptiens qui parvient à prendre le pouvoir le 23 juillet 1952.
Les Égyptiens ne sont pas contents parce qu'il y a le roi, parce qu'il y a les machins, etc. Et ça a été toute une combine pour faire ce coup d'État. C'est Néguib qui a eu le premier donc a fait l'intervention pour renvoyer Farouk. Enfin, on ne l'a pas renvoyé, comme vous le savez, ça n'a pas été un renvoi brutal. On lui a simplement demandé de se désister en faveur de son fils, qui devait avoir 10 mois à peu près. Il a d'ailleurs été conduit très correctement à Alexandrie, même Néguib est allé lui dire au revoir quand il est parti d'Égypte, sur le yacht royal qu'ils l'ont laissé emporter. On a raconté que le roi avait pris des millions et des machins et de l'or, il n'avait rien pris de lui que ses vêtements. Donc ça n'a pas été, je veux dire, une révolution. Je veux dire, d'ailleurs, il vaut mieux ne pas en parler de la révolution de 52. On dit révolution, en fait il n'y a pas eu de révolution. C'est pas une révolution, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé ici en 89. Le général Néguib devient en 1953 le premier président de la République égyptienne, tandis que le colonel Nasser est nommé premier ministre. Après plusieurs mois et de nombreux rebondissements, la lutte pour le pouvoir entre les deux hommes s'achève le 14 novembre 1954 par la destitution du général Néguib et la victoire de Nasser. Mais Nasser, c'était un militaire. En 1952, il y avait la situation à l'intérieur de l'armée, pas très correcte. Il y avait un mouvement qui était appelé le mouvement des officiers libres. Le commandant de ce mouvement, c'était Nasser. Avec Nasser, il y avait Sadat également. Le coup d'État a lieu le 23 juillet 1952 et la monarchie a été abrogée le 18 juin 1953. Donc le général Néguib a pris les rênes du pouvoir et en réalité Nasser était en sous-main. C'était lui qui était le maître d'œuvre. Il est devenu président, je pense, en 54 et il est décédé en 70. Donc il a régné 16 ans. Conscient de la place majeure occupée par son pays dans cette partie du monde, Nasser, tout au long de sa longue carrière jusqu'en 1970, est un ardent défenseur des intérêts de l'Égypte. L'Égypte, c'est un pays riche, mais il fallait avoir quelqu'un comme Nasser pour avancer un peu l'Égypte. Il y avait pas mal de projets à étudier pour améliorer la situation des paysans. Car Nasser, il a fait sortir une loi qu'on appelle la réforme agraire, qui a donné l'équivalent de 3 hectares pour chaque famille, au lieu de travailler chez les autres, travailler pour soi. Il a mis un système de retraite, de sécurité sociale. L'école est devenue gratuite. Il est l'un des acteurs majeurs en avril 1955 de la conférence de Bandung en Indonésie. 29 délégations, en majorité asiatiques et africaines, proclament ainsi leur volonté de ne plus être sous la domination des puissances occidentales. L'Indien Nehru et l'Égyptien Nasser sortent de ce sommet des non-alignés auréolés d'un grand prestige politique en tant que leader de l'international des pauvres, selon les propres mots de Nasser. Peu après, le canal de Suez prend une importance majeure. C'est une voie de communication économique précieuse permettant d'éviter au commerce maritime le contournement de l'Afrique. C'est aussi une artère stratégique vitale, facilitant les déplacements militaires. Enfin, c'est une source de revenus financiers considérables. Pour toutes ces raisons, les grandes puissances occidentales, et plus particulièrement la Grande-Bretagne et la France, principales actionnaires de la société du canal de Suez, désirent garder le canal ouvert librement à la navigation. Les accords entre le Khédive et les Cheps de 56-58 prévoyaient une concession de 99 ans à partir de l'inauguration. Le Khédive avait 45% des actions à l'origine, donc l'Égypte. Donc 45% des bénéfices revenaient à l'Égypte. Mais en 1875, les méchants anglais ont racheté pour une bouchée de pain les 45% de l'Égypte. Et l'Égypte a été privée des bénéfices du canal jusqu'à la nationalisation.
L'Égypte recevait très peu de choses et les bénéfices étaient pour la compagnie. Le 18 juin 1956, après presque 75 ans d'occupation sans interruption, les troupes anglaises commencent leur retrait définitif d'Égypte. La zone de Suez reste cependant sous le contrôle de la Compagnie universelle du canal de Suez. L'Égypte va-t-elle laisser encore durer longtemps cet état de fait ? C'est dans ce contexte difficile que Nasser va chercher à financer un grand projet. L'Égypte est au début des années 50 un pays pauvre, avec seulement 5% de terres cultivables. Le reste de l'Égypte est composé de déserts. Le Nil, troisième fleuve du monde, est une artère vitale pour l'agriculture, mais ses crues restent cependant trop aléatoires et irrégulières. Le premier haut barrage sur le Nil, près d'Assouan, inauguré en 1902, n'est plus suffisant pour les besoins en irrigation de l'Égypte. Nasser va donc lancer le projet de construction d'un grand barrage sur le haut cours du Nil, proche d'Assouan. Nasser voulait disposer d'une capacité massive de production d'énergie électrique. Une des solutions, c'était effectivement de construire un barrage, un gigantesque barrage sur le Nil, barrage qui deviendra celui d'Assouan. Et Nasser réclame toujours plus. C'est Nasser qui a décidé de construire du haut barrage. Et là, il avait besoin d'argent. Ce barrage d'Assouan, il était en étude et dans des propositions depuis très nombreuses années par les sociétés essentiellement américaines. Les Américains veulent bien financer une partie, mais in fine ne céderont pas complètement aux attentes de Nasser. Comme Nasser avait été soutenu par les Russes, il a été nécessaire qu'il fasse également appel aux Russes. Nasser, à ce moment-là, se retournera vers l'Union soviétique, qui acceptera de financer non seulement le barrage, mais aussi de renvoyer bon nombre de techniciens et ainsi de suite pour le construire. Il fallait bien une concurrence. Quand on traite un grand barrage, on ne peut pas le traiter uniquement à deux. Il faut au moins être trois. Donc on a consulté aussi les Russes, qui avaient proposé un barrage, mais qui était techniquement très moins bien adapté. En particulier, parce que ce barrage-là, il ne traitait pas les alluvions venant du Nil pour les transformer en engrais pour pouvoir développer les surfaces cultivables. Celui-ci permettra de réguler les crues du Nil, d'assurer une irrigation contrôlée tout au long de l'année nécessaire à l'agriculture et de fournir, grâce à une centrale, l'électricité indispensable à l'industrialisation du pays. Parce qu'en Égypte, tout dépend du Nil. Voilà. Alors le Nil, ben, il s'en va, puis il part dans la Méditerranée à la fin. Avec le delta, et puis il y va, l'eau s'en va. Si vous la mettez de côté, vous pouvez conserver pour arroser tout ce que vous voulez, beaucoup mieux, et pour développer des surfaces cultivables. Ça paraît logique. Tout à fait logique. Donc, ils proposaient cela, mais le projet américain était bien meilleur. Et c'est comme ça, donc, que, à l'époque, en 1956, Nasser décide, au mois de juin 1956, Nasser décide de prendre le projet américain, parce qu'il adorait le projet américain. Et à ce moment-là, c'était aux États-Unis le renouvellement du mandat d'Eisenhower. Vous avez entendu parler ça d'Eisenhower, naturellement, ce grand militaire, et qui, en 1956, il y avait des élections aux États-Unis, là, pour le renouvellement du mandat d'Eisenhower. Nasser envoie un de ses envoyés spéciaux, plus son ambassadeur local, pour dire « nous vous avons choisi ». Pour le barrage d'Assouan. Celui qu'il reçoit, qui était, un bras droit de l'équipe d'Eisenhower, le reçoit et lui dit « Nous avons changé d'avis hier, on ne financera plus le barrage d'Assouan ». Pourquoi ils ont décidé ça? Parce que vous savez que quand il y a des élections aux États-Unis, les lobbies sont très actifs. Le lobby, naturellement, israélien, qui a dit « Non, nous, on ne vote pas pour vous si vous financez l'Égypte, parce qu'elle va devenir plus puissante, et c'est notre voisin qui est un peu notre ennemi ». N'est-ce pas ? Et surtout, les cotonniers américains qui ont dit « Si vous financez le barrage d'Assouan, l'Égypte va doubler, tripler, voire davantage sa production de coton, on ne vote pas pour vous. » Il va pour cela demander des capitaux aux grandes puissances internationales. Les plans de financement établis précédemment vont être annulés suite à une livraison massive d'armes à l'Égypte par la Tchécoslovaquie avec l'autorisation de l'URSS.
De plus, Nasser est soupçonné de soutenir et de financer l'action des combattants indépendantistes algériens du FLN et des Fedayines, combattants palestiniens dans la bande de Gaza. En découdre avec Nasser, c'était prendre une assurance sur une meilleure solution en Algérie. Toutes ces raisons vont conduire la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Banque mondiale, inquiets de la remise en cause du fragile équilibre des forces dans cette région du globe, a refusé à Nasser le financement de son projet le 20 juillet 1956. Nasser est devenu fou, on lui dit ça, parce qu'il se voyait déjà comme le patron quoi, du monde arabe là-bas. Et c'est là donc qu'il a fait travailler quelqu'un pour rédiger donc le projet de nationalisation du canal. Devant ce refus et furieux de l'affront public qui lui est infligé, le 26 juillet 1956, Nasser prend une décision historique. Il décide de nationaliser le canal de Suez et de mettre en place un blocus du golfe d'Aqaba, point de passage obligé au sud vers le canal. Rapidement, tous les biens de la Compagnie universelle du canal de Suez vont être mis sous séquestre. Nationaliser le canal de Suez, c'était le seul moyen pour financer le haut barrage. Parce que pour construire le barrage, nous avions besoin d'argent. Puisque tous les pays avaient bien refusé, alors le seul moyen pour Nasser, c'est pour nationaliser le canal de Suez. Ça a été beaucoup plus le geste de quelqu'un furieux contre les Américains qui prend une potiche et la casse par terre. C'est ça, la décision prise seule. Par Nasser, il n'a prévenu ses ministres qu'une heure avant. Je pense qu'il s'est cru tout permis. Ce coup de force déclenche en France et en Grande-Bretagne des réactions de colère. Immédiatement, Guy Mollet, président du Conseil français, et Anthony Eden, premier ministre britannique, envisagent de déclencher une opération militaire afin de rétablir la libre circulation sur le canal. Les flottes françaises et anglaises de la Méditerranée reçoivent donc l'ordre de faire route vers l'Égypte. Israël, désireux d'avoir la possibilité de se débarrasser des fedayines de Gaza, rejoint bientôt la coalition franco-anglaise. Ce qui compte, c'est que les Français ont lié des liens avec les Israéliens, par hostilité également à l'Égypte. Dès avant la nationalisation du canal de Suez, la France, le gouvernement Guy Mollet, va décider d'aider militairement, d'armer l'État d'Israël. Une intense activité diplomatique se met en place, tentant de trouver une solution pacifique au problème. Les États-Unis refusant catégoriquement de recourir à la force armée, la Grande-Bretagne et la France se voient contraintes d'épuiser toutes les ressources de la diplomatie afin de trouver une issue au conflit. À Londres, des délégations de 22 pays tentent de faire revenir Nasser sur sa décision en promettant de garantir le statut international du canal de Suez. L'administration du canal serait confiée à un organisme constitué de tous les États utilisateurs. Je crois qu'il y a eu des réunions avec les Anglais et puis il y a eu une conférence sur les utilisateurs du canal, une conférence qui n'a pas abouti puisque Nasser n'y a pas participé. Et puis ensuite, c'était l'escalade. On a voulu reprendre le canal de Suez à Nasser. L'URSS, en revanche, réaffirme les droits souverains de l'Égypte sur tout ce qui se trouve sur son sol, canal compris. Nasser, se pensant en position de force, refuse en bloc la proposition de Londres. La riposte armée est alors mise au point lors des entrevues secrètes de Sèvres, les 22 et 23 octobre 1956, entre les Anglais, les Français et les Israéliens. Israël lance la mobilisation générale et se prépare à l'attaque. Israël fait la guerre. Je veux dire, avec les armements français fournis au printemps 1956, Tzal, Moshe Dayan, Shimon Peres, qui sont les chevilles ouvrières en France de ce plan, disent très clairement aux Français, bah, nous on va la faire la guerre, mais attention, nous si on la fait, c'est pour avoir la liberté de circulation en mer Rouge, c'est pour régler les problèmes à Gaza, les
des affaires de terrorisme. Donc, nos buts de guerre ne sont pas les vôtres. Les Français vont mettre au point la théorie d'un prétexte israélien. Français et Britanniques vont intervenir pour séparer les combattants. À la fin du mois de juillet, au début du mois d'août, on a commencé à préparer les avions. Conformément au plan prévu, les Israéliens lancent l'opération Kadesh le 29 octobre 1956 en larguant des parachutistes sur Mitla, à 60 km du canal. Dans le Sinaï, sur un large front, les troupes israéliennes attaquent en force les positions égyptiennes qui cèdent les unes après les autres. Le 30 octobre, la Grande-Bretagne et la France lancent un ultimatum aux deux belligérants, leur enjoignant de ne pas s'approcher à moins de 16 km de part et d'autre du canal. Le 31 octobre, après expiration de l'ultimatum et devant le refus égyptien, les forces franco-anglaises passent à l'attaque. La France, la Grande-Bretagne et Israël s'arrangent ensemble, mènent des négociations de façon à reprendre le canal de Suez par un double mouvement. Les Français et les Britanniques doivent mener une opération amphibie sur Port Saïd, prendre la ville, continuer le long du canal, et en même temps les Israéliens doivent traverser le Sinaï et prendre le contrôle de la rive orientale du canal. Donc à terme, il s'agit de se réapproprier le canal de Suez et donc de garantir la liberté de circulation des navires, des bâtiments sur le canal. La seule intervention a été celle d'Israël en premier, sollicité par Guy Mollet, qui au fond ne pouvait pas, parce que Guy Mollet, qui était socialiste, ne pouvait pas accepter qu'on fasse une expédition militaire pour sauver les actionnaires d'une compagnie internationale. Vous voyez ça? Donc ils ont préféré dire, on fait intervenir Israël, et puis nous partons à ce moment-là en mission pour séparer les Israéliens des Égyptiens. La base d'Akrotiri, on a transporté la base de Reims. C'est-à-dire que vous imaginez qu'une base aérienne, on la met en caisse, les caisses on les met dans les camions, et puis on emmène tout, on prend la National 7, on arrive à Istres, et puis on embarque tout dans les camions, on décharge là-bas avec des moyens acrobatiques dans les ports de Limassol et puis de Famagouste, et puis on crée une base de toutes pièces, y compris la soute à munitions, etc. Et au départ, vous arrivez sur un terrain nu, vous arrivez dans un désert, et puis ben, vous montez votre tente, puis vous servez. C'est comme le débarquement en 44, c'est pareil, on débarque sur un endroit vierge et puis on monte tout. Les positions égyptiennes sont bombardées par les avions français partis de Chypre et par les avions anglais basés à Malte. Les colonnes de combat israéliennes sont ravitaillées par air par les avions français. Débordées, les forces égyptiennes retraitent sur tous les fronts. Le débarquement à Chypre nous s'est fait le début septembre, alors que le conflit est dans les premiers jours de novembre. Donc on a eu septembre-octobre à travailler à la mise en place de tout ça. Et puis, il faut penser qu'il y a eu des dizaines de navires de commerce, mais c'est une véritable armada. Je ne sais plus, il y a une soixantaine de navires qui ont été pris dans le coup, y compris des cargos, des transports de troupes, il y a eu même des paquebots, il y a plusieurs paquebots. Le 3 novembre, Israël occupe la bande de Gaza et en profite pour détruire les bases logistiques des Fedaïnes. Le Sinaï est à ce moment en presque totalité aux mains des soldats israéliens. Les troupes israéliennes sont alors à 20 km du canal. Le 4 novembre, les troupes aéroportées franco-anglaises sautent sur Port Saïd et débarquent en force à Port Fouad. Les troupes égyptiennes, une fois de plus, cèdent sous la pression.
Le 5 novembre, devant la progression des forces alliées en Égypte et après le refus américain d'une opération commune motivée par l'intervention militaire russe à Budapest, l'URSS lance un ultimatum à la France, la Grande-Bretagne et Israël. Elle exige un arrêt immédiat des combats et un retrait rapide des troupes sous peine de déclencher une riposte nucléaire contre les pays concernés. C'est pareil, on l'a appris après. On a appris qu'il y avait une menace nucléaire de la part de Khrouchtchev. Il nous a menacé du feu nucléaire. Les États-Unis, de leur côté, ont prévenu la Grande-Bretagne de la prise de mesures financières draconiennes, menaçant de couler la livre sterling à Wall Street. De plus, ils menacent les pays concernés de leur couper la route du pétrole. Le même jour, une résolution de l'ONU exige un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes étrangères occupant le sol égyptien. Nasser, de son côté, tente d'encourager son armée à résister en promettant une intervention soviétique rapide et en leur disant que la Troisième Guerre mondiale a commencé. Le 7 novembre 1956, les combats dans le Sinaï s'arrêtent. Les troupes franco-anglaises cessent le combat, mais restent sur leur position. Le temps des négociations est arrivé. Le 8 novembre 1956, l'ONU décide d'envoyer des troupes d'interposition en Égypte à compter du 20 novembre pour couvrir le retrait éventuel des soldats franco-anglais. C'est une première. Les casques bleus viennent de naître. C'est la création des casques bleus. Il y avait pas, avant la crise de Suez, il n'y avait pas de casques bleus. Ils ont été créés pour la crise de Suez et en premier, ça devait être des Canadiens et des Norvégiens qui ont été déployés pour nous remplacer, ainsi que les Anglais, sur les bords du canal. De difficiles négociations sont entamées. Devant la pression internationale de plus en plus forte, la France et la Grande-Bretagne renoncent à leur intervention sur Suez et acceptent de retirer leurs troupes stationnées en Égypte. Le 21 novembre 1956, les premiers casques bleus débarquent en Égypte pour protéger et canaliser le réembarquement des soldats franco-anglais qui commence dès le lendemain et devra s'achever le 22 décembre 1956. La crise de Suez est terminée. Je me rappelle des cris de victoire dans toutes les rues. Victoire pour les uns, défaite pour les autres. Inquiétude pour certains, réjouissance pour d'autres. Mais tout des... dépendait du bord auquel on appartenait. Mais ça a été des délires de joie du petit peuple égyptien. Des hommes ont été les acteurs de ce grand moment de l'histoire. Qui sont-ils ? Le roi Farouk est né au Caire en 1920. À 16 ans, en 1936, il succède à son père Fouad Ier comme roi d'Égypte. Jeune et influençable, il ne pourra pas redresser économiquement son pays et sera éclaboussé par des scandales liés à la corruption généralisée qui règne en Égypte à tous les niveaux de l'État. Les problèmes sociaux et économiques en Égypte créent les conditions idéales conduisant à sa destitution en juillet 1952 suite à un coup d'État réussi par un groupe d'officiers supérieurs mené par le général Néguib. Le général Néguib est né à Khartoum en 1901. Ayant rejoint l'armée égyptienne dans les années 20, il est l'un des officiers généraux commandant l'armée égyptienne lors de la première guerre israélo-arabe de 1948. Profondément mécontent du déroulement des opérations lors de ce conflit, il attend le bon moment en juillet 1952 où, porté par le mécontentement populaire, il prend la tête d'une junte militaire formée de jeunes officiers prometteurs, parmi lesquels deux deviennent célèbres, Nasser et Sadat. Le coup d'État réussi, le roi Farouk destitué, Néguib prend le pouvoir et devient début 1953 le premier président égyptien. Gamal Abdel Nasser est né en 1918 près d'Assiout. Jeune colonel, il prend le pouvoir en Égypte début 1953 et devient en 1956 le deuxième président de la jeune République égyptienne. Conscient des difficultés de son pays, il tente de trouver une solution aux problèmes économiques de l'Égypte malgré l'instauration d'un régime autoritaire. Nasser est avec l'Indien Nehru en 1955 l'un des acteurs principaux de la conférence de Bandung regroupant les pays non alignés.
En 1956, auréolé d'un immense prestige politique, il devient le porte-parole du nationalisme arabe. La guerre des Six Jours avec Israël en 1967 et la défaite pour l'Égypte qui en résulte portent un coup très dur à son image de leader. Il démissionne de la présidence, mais est immédiatement rappelé au pouvoir par un vaste mouvement populaire. À sa mort en 1970, toute l'Égypte est en deuil. C'est Anwar el-Sadat qui va lui succéder. Mikhaïl Bulganine, maréchal soviétique, héros de la Seconde Guerre mondiale, est au début de 1956 président du Soviet suprême de l'Union soviétique. Il refuse dans un premier temps la demande de Nasser de financer le haut barrage d'Assouan. Il autorise la fourniture massive d'armes à l'Égypte par la Tchécoslovaquie, ce qui constitue l'une des causes indirectes du déclenchement de la crise de Suez. Conscient de la mauvaise image donnée par l'écrasement du soulèvement hongrois par les chars soviétiques, il attend jusqu'au 5 novembre 1956 avant de lancer un ultimatum aux forces coalisées en menaçant de recourir à l'arme atomique. Il accepte par la suite un accord commercial avec l'Égypte. Dwight David Eisenhower, général américain, principal artisan de la victoire alliée en Europe en 1945, est président des États-Unis d'Amérique au moment de la nationalisation du canal de Suez en juillet 1956. Furieux de l'attitude franco-anglaise qualifiée de colonialiste et mis en difficulté pour sa réélection en novembre 1956, il menace lui aussi la France et la Grande-Bretagne de mesures de rétorsion économique graves et de couper l'approvisionnement en pétrole. Les tensions qui en résultent vont amener le monde au bord de la Troisième Guerre mondiale. Le pire est évité de justesse, et Eisenhower accepte par la suite de mettre en place une politique d'aide aux pays européens pour faire face aux difficultés graves qui surviennent après la résolution de la crise. En décembre 1858 est constituée la Compagnie universelle du canal maritime de Suez, créée justement pour percer et exploiter le canal de Suez pendant 99 ans. La souscription est réalisée auprès du public et non pas auprès des banquiers, car l'ESSEB se méfiait des taux pratiqués par les banquiers. Et donc c'est une souscription publique qui a été faite, ce qui fait qu'on a appelé la Compagnie du canal une compagnie de garçons de café, parce que ce sont les petits épargnants qui ont souscrit les actions. Malgré tout, ça n'a pas suffi. Et c'est le vice-roi d'Égypte qui a souscrit pour 44% du capital. Sur ce panneau, vous voyez des tableaux qui représentent en fait les scènes de travaux du percement du canal. Celui de Bercher en fait montre la plaine des lacs amers avant les travaux de percement. Les deux toiles de Barry montrent en fait des chantiers du intérieur du canal. Ici, vous avez les eaux de la mer Rouge qui rentrent dans les lacs amers en juillet 1869. Et l'on fêtera donc cette année son 150e en décembre. Voilà. Achevé en 1869, le canal de Suez a été construit par le français Ferdinand de Lesseps pour le compte de la Compagnie universelle du canal maritime de Suez. Il relie Port Saïd sur la Méditerranée à la ville de Suez sur la mer Rouge par une voie navigable de près de 161 km de long, permettant de raccourcir de 6000 km le trajet Europe-Asie. Les plus gros cargos peuvent désormais l'emprunter sans avoir à contourner l'Afrique. Véritable artère stratégique et économique, il devient l'enjeu d'une partie de bras de fer international lors de sa nationalisation par Nasser. Créé en 1945 pour remplacer la SDN, l'ONU est au moment de la crise de Suez une organisation jeune qui n'a géré depuis sa création qu'une seule crise majeure, la guerre de Corée. L'Assemblée générale de l'ONU décide d'envoyer pour la première fois de son histoire une force d'interposition internationale composée de soldats venus de 10 pays différents. Plus de 6000 hommes débarquent ainsi en Égypte en novembre 1956 avec sur la tête un équipement de protection qui va leur valoir leur futur nom, les casques bleus. Ils restent en Égypte pour protéger le canal jusqu'en 1967, date à laquelle Nasser obtient leur retrait, quelques semaines avant le déclenchement de la guerre des Six Jours.
Avec la crise de Suez, le monde a frôlé la catastrophe. Le temps du bilan est arrivé. Le bilan de l'opération du canal de Suez est désastreux. La première raison du déclenchement était de reprendre le contrôle du canal et conserver le libre accès à la voie navigable. Or, à la fin des combats, le canal se trouve désormais obstrué près du port Saïd par 46 navires coulés qui le rendent inutilisable pour de longs mois. La canal de Suez elle-même, elle était fermée pendant plusieurs reprises. Ça a été fermé deux fois, finalement ça a été réinauguré en 1975. L'indemnisation, c'est la Banque mondiale qui l'a payée. En réalité, il n'y a pas eu de vraie discussion. La Banque mondiale a dit, ben voilà ce qui me paraît raisonnable. C'était une des conditions de la reprise de l'activité financière, de la réinsertion de l'Égypte dans le circuit occidental. L'indemnisation n'a pas été considérable, elle a été distribuée aux actionnaires. Ce qui a été considérable, c'est le fait de pouvoir récupérer les fonds accumulés par la compagnie au cours de presque 100 ans d'exercice, enfin moins de 100 ans. Et c'est ça qui a permis à Suez d'être Suez aujourd'hui. La destruction de plusieurs pipelines et des voies de communication provoque l'interruption d'une grande partie des livraisons de produits pétroliers en provenance du Proche-Orient. De plus, les pays arabes refusent désormais de vendre du pétrole aux sociétés ayant des intérêts avec la France ou la Grande-Bretagne. Dans ces deux pays, les réserves de carburant s'épuisent vite. Et le 17 novembre 1956, devant la pénurie grandissante, un rationnement très sévère du fuel et de l'essence est mis en place en France et en Grande-Bretagne. Devant cet état de fait, le 30 novembre 1956, les États-Unis mettent en place un plan d'aide d'urgence destiné à ravitailler les pays européens en produits pétroliers. Le canal n'est réouvert qu'en mars 1957 et seulement pour des navires n'excédant pas 2000 tonnes. Il faut attendre fin avril avant que le canal ne retrouve une navigation normale. Certainement, le canal de Suez devait revenir à l'Égypte. Et puis, ils ont prouvé, ça a été une chose très bien, que très vite, les pilotes égyptiens eux-mêmes faisaient passer les bateaux par le canal. Et, très bien. Ils ont beaucoup travaillé, les Égyptiens. Ils ont remarquablement travaillé pour l'entretien du canal. Il s'est beaucoup développé. Et, parce que d'abord, tous les bateaux passent maintenant dans le canal. Tandis qu'avant, il y avait aussi une norme, on ne pouvait pas laisser passer n'importe quoi. Mais encore aussi, il faut bien dire qu'il a fallu attendre le développement de la vapeur pour qu'il y ait suffisamment de bateaux pour dégager quelques bénéfices aussi. L'Égypte n'a pas gagné d'argent jusqu'à 1975, la réouverture définitive. Et à ce moment-là, elle en a gagné beaucoup. Le canal est un pactole. Premier, deuxième ou troisième source de revenus de l'Égypte aujourd'hui. L'Égypte, c'est d'abord le canal. Il passe 60 bateaux par jour. Le 26 avril 1957, l'Égypte interdit la navigation sur le canal aux navires israéliens, mais autorise en juin la France et la Grande-Bretagne à emprunter de nouveau le canal. Il est vrai de dire que pendant 10 ans, on n'est pas allé dans le canal. D'ailleurs, ils ont eu des problèmes. Il ne faut pas oublier que le canal a été fermé pendant 7 ans, au moment de la guerre avec Israël, en 1967.
Étant sur place, on n'a pas bien compris tout ça, le protocole de Sèvres et tout ce qui s'est passé à Paris, toutes les tractations. Quand vous êtes militaire et vous êtes là-bas pour exécuter les ordres, vous n'avez rien, vous n'avez pas de poste de radio, vous n'avez pas de journaux, on vous fait un truc. Et puis c'est seulement après qu'on assemble les morceaux. On ne savait pas comment aller. C'est après qu'on a appris le prétexte, en quelque sorte, de la France et de l'Angleterre d'intervenir parce que les Israéliens s'étaient rendus dans le Sinaï et s'étaient approchés du canal. C'est un coup fourré énorme. C'est seulement après qu'on assemble les morceaux. Et il a fallu des années. Il a fallu des années pour trouver... Même encore maintenant, il y a des choses que je suis persuadé qu'on ne sait pas. En octobre 58, Nikita Khrouchtchev, nouveau dirigeant de l'Union soviétique, accepte enfin de participer au financement du barrage d'Assouan. La crise de Suez est définitivement terminée. A contrario, les conséquences politiques ont des répercussions à plus long terme. L'intervention en Égypte ruine définitivement le prestige international de la France et de la Grande-Bretagne, ce qui a des répercussions importantes sur la résurgence des mouvements nationalistes dans toutes les colonies, aussi bien en Asie qu'en Afrique. Quand on repense les remous que cette nationalisation, qui finalement n'était pas un événement exceptionnel, la France, quelques années avant, avait nationalisé à tour de bras, eh bien, s'agissant du canal, s'agissant de ce Proche-Orient difficile, je crois que ça a créé des remous importants dans le monde. Les Soviétiques s'en sont mêlés, les Américains s'en sont mêlés, l'Angleterre, la France, etc., Israël, ça a été, je crois, un grand événement. Désireuse d'affaiblir le FLN algérien en le coupant de son financement égyptien, la France conforte par son échec le FLN algérien dans l'idée qu'elle n'est pas invincible. L'effet obtenu est donc l'inverse de celui escompté. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, nous avions un problème algérien. Et que Nasser a peut-être aidé un peu les Algériens. Pour les dirigeants français, finalement, le mouvement national algérien n'est pas tellement légitime par beaucoup d'aspects. Tout irait tranquillement s'il n'y avait pas ce diable de Nasser qui, au nom du panarabisme, du rôle de chef du monde arabe qui s'est auto-dévolu, ne jouait pas le pyromane. C'est en effet à partir de ce moment-là que le général de Gaulle se rend parfaitement compte qu'il est plus que nécessaire de disposer soi-même de l'arme nucléaire et que sans cette arme-là, sur la scène internationale, on n'est plus grand-chose. Et que si les Américains ont réussi du point de vue de leur ultimatum, c'est précisément parce qu'eux avaient l'arme nucléaire que la France ne l'avait pas. Et que les Britanniques, s'ils avaient déjà l'arme nucléaire, étaient bien grosso modo soumis à la tutelle de Washington. Et donc dans la politique d'indépendance de Gaulle vis-à-vis de... par la suite vis-à-vis de l'OTAN, mais également par rapport au nucléaire, l'affaire de Suez aura un rôle absolument capital. Les troupes israéliennes, de leur côté, se désengagent progressivement des territoires conquis. La bande de Gaza, le Sinaï et la région de Sharm el-Sheikh sont ainsi évacués à partir du 6 mars 57. Pour les Palestiniens, c'est la catastrophe. Les territoires qui devaient leur être destinés sont annexés, soit directement par Israël, soit par l'Égypte pour la bande de Gaza, soit par la Jordanie pour la Cisjordanie. Il n'y aura donc pas d'État palestinien pour le moment au Proche-Orient. Militairement, Israël a gagné. Il a détruit les bases palestiniennes terroristes dans la bande de Gaza, infligé une défaite militaire à son plus puissant et dangereux voisin, détruisant un nombre important de matériel et s'assurant par là même une dizaine d'années de paix. Moshe Dayan se servira de plus des enseignements recueillis lors de cette opération pour mettre en place la doctrine d'utilisation future des blindés de Tsahal, qui sera utilisée avec succès pendant la guerre des Six Jours.
Cependant, cette intervention armée contre l'Égypte a cristallisé le mécontentement contre Israël. Les pays arabes vont au fil du temps financer de plus en plus les mouvements de résistance palestiniens et cultiver un esprit de revanche qui va exploser en 1967 avec la guerre des Six Jours et en 1973 avec la guerre du Kippour. Mais l'Égypte a été complètement bouleversée, je pense. Je pense, parce que ça a entraîné une succession de guerres après. 1967, c'était une défaite honteuse de l'armée égyptienne. L'armée égyptienne s'est fait bombarder avant qu'il bouge. Voilà. Et là, c'était quelque chose honteuse que Nasser a demandé de se démissionner tout de suite après. C'était soutenu de la part de certaines catégories de gens. Nasser, ça reste comme un phénomène d'histoire. Même s'il y a des gens pour, s'il y a des gens contre, mais ça reste quand même avec sa personnalité charismatique, sa présence, quelqu'un qui a amélioré au Camille, l'Égypte est sur le début des progrès, d'avance et de renaissance. Nasser pensait au tiers-monde. Je ne crois pas non plus que ça ait eu un grand impact. Mais le grand impact, la grande réussite, c'est en Égypte. Les Égyptiens, par cette nationalisation, ont retrouvé leur dignité. Ça a été le dernier acte de leur libération. Et cela, ils l'ont profondément senti. Et je crois que c'est l'Égypte qui a gagné. Ce n'est pas Nasser, ce n'est pas sa politique étrangère, mais c'est l'Égypte profonde. Nasser, vaincu militaire de la crise de Suez, sort cependant grand vainqueur politique et son pouvoir en Égypte s'en trouve considérablement renforcé. Il devient le grand leader du Proche-Orient et le porte-parole de toutes les nations arabes en cette fin des années 50. La première guerre israélo-arabe de 1948, consécutive à la création de l'État d'Israël, se conclut par la défaite des pays arabes engagés. En Égypte, le 23 juillet 1952, un groupe de jeunes officiers prend le pouvoir suite à un coup d'État et destitue le roi Farouk. Parmi eux, le colonel Nasser évince bientôt tous ses rivaux, notamment le général Néguib. Il élabore un grand projet de barrage sur le Nil, près d'Assouan, afin de réguler les crues et générer l'électricité nécessaire à la modernisation de l'industrie égyptienne. Mais des puissances occidentales et la Banque mondiale refusent de financer le projet. Le Raïs prend alors une décision historique. Le 26 juillet 1956, il nationalise le canal de Suez. Israël, la France et la Grande-Bretagne envisagent alors une opération militaire tripartite afin de reprendre le contrôle du canal. L'entrevue de Sèvres, les 22 et 23 octobre 1956, définit le rôle de chacun. Le 29 octobre, les para-israéliens sautent sur Mitla, à 60 km du canal, tandis que les forces terrestres attaquent le Sinaï et envahissent la bande de Gaza. Puis, la France et la Grande-Bretagne attaquent Port Saïd et Port Fouad le 4 novembre. Les armées égyptiennes reculent sur tous les fronts. L'URSS lance alors un ultimatum, menaçant de recourir à l'arme nucléaire si les combats ne cessent pas. Les USA, eux aussi, envisagent des sanctions économiques graves contre la coalition. Le 7 novembre 1956, les combats cessent. La France, Israël et la Grande-Bretagne restituent rapidement les zones conquises et évacuent le sol égyptien. Le canal est maintenant obstrué par de nombreuses épaves. Il faut attendre fin avril 1957 pour que la navigation puisse reprendre. Les pipelines sont détruits et les voies de communication coupées. L'approvisionnement des pays européens en produits pétroliers diminue considérablement. De plus, tous les pays arabes suspendent leurs ventes de pétrole vers la France, Israël et la Grande-Bretagne. L'intervention de Suez, loin d'être une réussite, est un grave revers pour la France et la Grande-Bretagne.
dont l'image internationale se dégrade. Les mouvements indépendantistes du monde entier, quant à eux, retirent de l'échec de ces deux ex-grandes puissances coloniales un espoir. Seul Israël parvient à tirer son épingle du jeu, ayant éliminé les bases terroristes palestiniennes de la bande de Gaza et détruit une partie du potentiel militaire de son voisin le plus dangereux, l'Égypte. Revers de la médaille, ces succès vont cristalliser le mécontentement du monde arabe sur Israël. En 1976, l'esprit de revanche débouchera sur le nouveau conflit israélo-arabe. Call that as you like. It is complete.